Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo qui est cette fois-ci sur le Modus. Enfin, putain, depuis le temps que je voulais cette arme, que je voulais la faire en vidéo, il était temps. Alors, ce fusil d'assaut fabriqué par Bandit, il existe en dégâts feu, slag, corrosif et électrique. Alors, ce fusil d'assaut, il est un peu comme le stalker, comme le pistolet stalker. C'est-à-dire que quand vous allez tirer dans les murs, les balles vont rebondir ou ricocher, comme vous voulez. Hein. Comme vous êtes en train de constater en vidéo, je vais faire un petit comparatif entre le Stalker et le Madus. Et pour moi, ce fusil d'assaut, vraiment pas mal. Malheureusement, son plus gros désavantage, c'est sa précision. Vous allez voir dans la vidéo que la dispersion des balles est assez énorme. Hein. C'est ce qui va le plus le désavantager. Voilà. C'est vrai que j'étais assez déçu, hein. Première fois que je le loot, première fois que je l'ai en main, je me suis dit putain, bof, hein. J'ai envie de dire bof. Hein. Bon, pour tous ceux qui ont envie de l'avoir, hein. Bon, je ne l'ai pas looté sur Chienfou, je préfère vous le dire que Chienfou ne loot pas le Madus. Chienfou vous lootera juste, c'est le Baby Maker, hein. Faut pas rêver, hein. Toutes les tentatives que j'ai fait, il m'a tout le temps looté le Baby Maker, hein. C'est tout simplement qu'il a hérité de la même source de loot que Madame Van, je sais plus quoi, je m'en rappelle plus de son nom, c'est un sale gosse qui se trouve à Tundra Express. Voilà. Alors je voulais parler d'une autre chose, c'est à propos de Krieg. Normalement il devait sortir aujourd'hui, mais il sort le 14, je suis assez dégoûté. J'ai parlé dans la précédente vidéo qu'il devait sortir le mardi 7 mai, mais malheureusement il sort le 14 mai. C'est bande d'enfoirés, putain, au dernier moment, une semaine avant, ils nous disent la sortie, c'est assez dégueulasse. Hein. Ouais bon, je trouve que ça sert un peu à rien de sortir un personnage maintenant, quoi. Faut vraiment être motivé quand même pour refaire les trois parcours. Bon, je vais l'acheter juste pour vous faire voir ce qu'il donne. Au pire, peut-être que je vais m'attacher au personnage. Et ce qui va me redonner le goût à continuer un peu à jouer sur Borderlands 2. Parce que là, en ce moment, j'ai plus du tout envie d'y jouer. Hein. Là, aujourd'hui, je me suis motivé. Je tiens, faut que je refasse une vidéo sur Borderlands 2. Je me suis dit, allez, je vais farmer un peu Navo Buta Légendaire pour faire la dernière arme perlée. Le Tung, je m'en rappelle plus, hein, c'est le lance-roquette. Hein, je vais éviter de dire son nom pour éviter de passer pour un con. Voilà. Là, il va me juste me rester une arme légendaire. La dernière arme légendaire qui va me rester maintenant, c'est le Skullmasher. Mon Skullmasher, déjà, il est une source de loot. Mais malheureusement, je voudrais bien que le fils de Mithraq me le loot bien. Hein, c'est-à-dire qu'il me le loot pas à travers les textures. Hein, parce que putain, c'est rageant. Au pire, je sais pas, hein, je vais essayer de le looter via les Nabo Butin Légendaire. Alors comme d'habitude, je vous mettrai une annotation sur la vidéo pour vous envoyer directement sur la vidéo comment farmer Nabo Butin Légendaire pour ceux qui savent pas. Voilà. Alors je pense que si à partir de maintenant dans la description je vais mettre aussi la mitraillette que j'utilise la plus souvent à Sandox, parce que toutes les fois où on me demande putain mais tu utilises quelle arme, c'est quoi cette mitraillette, tu l'as comment? J'en ai un peu marre, alors maintenant je pense que je vais mettre sur toutes mes vidéos une annotation qu'on va voir à Sandbox et dans la description, parce que c'est assez chiant chaque fois qu'on me demande. Même si certains répondent, c'est assez gentil. Hein. Voilà. Excusez-moi, j'avoue un peu enroué. Ah. Alors voilà, normalement la dernière extension qui va sortir en mois de juin, normalement c'est officiel, elle doit sortir le 25 juin. Mais je vais éviter de dire officiel, on sait jamais, hein. Ils peuvent retarder la date, hein, juste pour nous faire chier. Hein. Voici la réaction du gros mongol, j'étais content depuis le temps que je voulais looter cette arme, faire une vidéo dessus, j'étais super heureux aujourd'hui. Bon, bah, je vais vous laisser là. Allez, ciao, à plus!